Salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Samos Pita, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225, voilà. Et avant de commencer, j'aimerais aussi vous signifier que j'ai ma chaîne YouTube personnelle. Je vais mettre dans le lien en commentaire, vous pouvez vous abonner là-bas. Et en plus, lorsque vous vous abonnez, voilà, vous me faites signe que vous êtes abonné au numéro qui est en description, pour pouvoir voir comment est-ce que je peux vous aider aussi, pour pouvoir postuler à quelques bourses, voilà, on ne sait jamais. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est quoi pour aujourd'hui et pour ce soir, j'aimerais vous présenter la bourse, une bourse de l'Allemagne, parce que l'Allemagne vient de déployer encore ses ailes pour des bourses, voilà, principalement à l'université IUBH, voilà. Donc, c'est une université qui est purement scientifique, mais les littéraires aussi peuvent postuler, voilà. N'oubliez pas, il y a des matières littéraires là-bas, donc vous pouvez postuler. Donc, en ce qui concerne cette université, pour cette bourse, il faudrait d'abord remplir le formulaire en ligne. Voilà. Et en plus de ce formulaire en ligne, vous devez avoir une lettre de recommandation ou bien une lettre de motivation. C'est-à-dire, soit une lettre de motivation ou bien une lettre de recommandation. Si vous n'avez pas la lettre de motivation, vous pouvez avoir une lettre de recommandation. Et puis, essayez aussi d'avoir aussi vos documents comme le passeport ou bien un CV, voilà, auprès de vous. Parce que lorsque vous allez remplir, vous allez voir tous les éléments qui y sont et puis vous allez pouvoir postuler. Voilà. Et puis cette bourse, elle est vraiment totale. Elle est vraiment hyper totale. Voilà, c'est l'Allemagne, donc elle est vraiment totale. Et la date limite, c'est quoi? C'est le 30 septembre. Alors, c'est mieux de postuler rapidement parce qu'il y aura des entretiens en ligne. Il y aura des entretiens par Skype et tout ça pour pouvoir vous sélectionner plus. Voilà, c'est vrai que vous allez par exemple comme ça déposer vos dossiers en ligne, mais lorsque vous allez déposer vos dossiers en ligne, ils vont vous appeler Skype, ils vont vous envoyer des messages pour que vous puissiez avoir des entretiens via Skype et tout ça pour montrer vraiment votre ambition, pour montrer vraiment votre motivation en ce qui concerne cette bourse. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ayez votre diplôme, soit c'est la licence et en même temps je rappelle, cette bourse c'est pour la licence et le master. Voilà. La licence et le master. Donc ça veut dire que ceux qui veulent venir postuler pour la licence, c'est qu'ils ont déjà le baccalauréat, et ceux qui veulent postuler pour le master, c'est qu'ils ont déjà la licence. Voilà, donc c'est un peu ça. Ils vont vous appeler via Skype et ils vont essayer de vous poser plusieurs questions pour que vous puissiez leur montrer votre motivation et votre détermination à pouvoir chercher, à pouvoir avoir cette bourse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments que vous allez donner en ligne ne vont pas suffire, ils vont vous appeler pour cela. Donc n'oubliez pas, on va aller directement pour remplir l'application en ligne. Et en plus de l'application en ligne, je vais vous donner au fur et à mesure des éléments que vous devez ajouter pour pouvoir postuler à cette bourse. C'est la bourse de l'Allemagne. Alors les gars, essayez de postuler au maximum. Voilà, cette année, c'est votre année. Alors postulez comme vous pouvez. Si c'est 100 bourses ou 80 bourses que vous allez postuler, postulez. Mais postulez. Je n'ai pas dit de postuler parce qu'il faut postuler. Voilà, ne venez pas mettre en ligne vos dossiers alors que vous ne postulez pas et attendre de bons résultats. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc n'oubliez pas aussi, on a notre groupe WhatsApp pour coaching. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment intégrer le groupe, c'est ok. Vous pouvez écrire inbox pour qu'on puisse s'entretenir, pour qu'on puisse parler de cela. Voilà, donc les gars, on y va pour la bourse de IUBH de l'Allemagne. Allez les gars, donc voilà un peu le site. Je vais mettre le lien en description. Si je ne mets pas le lien en description, alors voyez en commentaire, vous allez voir, c'est le site qui est là. Donc pour pouvoir postuler, vous voyez un peu les études, ce qui vous convient, bienvenue. Tout le monde mérite la chance d'accéder à l'enseignement supérieur. Voilà, donc pour pouvoir postuler à cette bourse, voilà, vous venez sur appliquer maintenant. Je crois que c'est un peu plus simple, voilà. Ce site est vraiment plus simple. Donc, vous venez là et vous cliquez sur appliquer maintenant. Voilà. Appliquer maintenant. What you like to study? Qu'est-ce que vous voulez étudier? Donc, ici, on va d'abord remplir
on va d'abord faire remplir un petit résumé ici, voilà, et puis essayer aussi de remplir l'élément qui est là. Donc moi je vais considérer que je viens pour le master's, voilà, je viens pour le pour la licence plutôt. Donc je vais prendre bachelor, voilà, je prends bachelor et je choisis aussi ma filière. Voilà, si vous avez bien remarqué, il y a plus de filières scientifiques que de littérature. Donc si je prends data science ou bien je prends computer science, donc je vais prendre par exemple data science. Voilà, ici this program you select is available on the following study modules studying online. Vous comprenez, ici on vous dit que ce qui est là, c'est-à-dire la faculté que j'ai choisie, se fait seulement qu'en ligne. Voilà, donc je vais changer. Si vous voulez pas faire cette faculté en ligne, je vais changer. Je vais prendre la faculté où je peux aller là-bas pour étudier. Je prends ça aussi. Voilà. Donc aviation, management. Mais ça, c'est sur le campus. Vous devez aller sur le campus. Voilà. Vous devez aller sur le campus. Regardez très bien si ils ont dit study on campus. Bon, je vais mettre en français. J'espère que ça peut, c'est possible. Voilà, je mets en français pour que vous puissiez comprendre un peu ce qu'ils disent. Ok, le site est purement en anglais, donc ça ne passe pas en français. Mais les éléments qui sont là sont passés en français, mais seulement ce que je voulais vous montrer. Donc le programme que vous avez sélectionné est disponible sur le modèle d'études suivant, études sur le campus. Voilà, alors que regardez bien ici, quand j'ai pris les sciences des données, ils ont mis study online. Vous comprenez? Donc je vais prendre ce qui est là, ce qui est purement study sur le campus. Voilà, j'avais pris l'aviation, je crois. Bon, je vais mettre en anglais comme ça tout. Voilà, je vais prendre l'aviation. Voilà, aviation management. Ok, donc ça c'est sur le campus. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Et ici start date summer winter. Donc ici personal informations. Donc on va prendre ça. Voilà, personal informations. Voilà, excusez mal ici le nom et le prénom. Donc le prénom je vais prendre, et puis ok, le numéro de téléphone, je vais mettre le numéro du pays, plus 225. Voilà, ok, ce qui est le plus important c'est le mail, donc n'oubliez pas, c'est le mail qui est le plus important. Ok, n'oubliez pas, donc vous avez tout le temps, mais postulez de façon un peu plus tôt pour pouvoir être un peu à l'aise, être tranquille. Voilà, et ici qu'est-ce qu'on nous demande, je crois c'est la date de naissance, parce que j'avais pas vu l'élément. Donc je vais supprimer, je vais. Ok, donc on y va, date de naissance. Je viens pour la licence, donc je considère que je suis né en 2003. Voilà, en janvier 2003, 24 premier mois 2003. Ok, et code postal, je mets ça.
Ok, et puis postcode, ici ils ont mis quoi, Fédération de Russie, je mets Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ok. Et ici, postcode, si je crois bien. 05. Si vous ne connaissez pas votre code postal, essayez de voir un peu sur Google, vous allez voir. How will you rate your English level from 1 to 10? Donc, en ce qui concerne votre niveau d'anglais, vous pouvez l'estimer jusqu'à combien? Si je prends, par exemple, moi, je peux l'estimer peut-être jusqu'à 8. Voilà. Et le budget. How much budget do you have to spend on your degree per month? Donc, vous avez combien comme budget pour pouvoir gérer votre suivi, par exemple, comme ça, pendant un mois? Donc, je vais mettre 0 à 70. Voilà. Ok, donc après ça, vous venez là et vous faites submit. S'il y a un souci, ils vont vous dire, vous allez pouvoir régler ça. You have to choose one the time model above. Donc, on me dit, voilà, c'est là. Comme je vous avais dit, s'il y a un souci, ils vont vous dire. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous demande? L'année de naissance, on a l'adresse et le numéro, ils ont mis numbers. Voyons voir ce qu'ils demandent. Ok, donc le numéro, peut-être le numéro de l'appartement. Voilà, donc voyons voir. Et submit, you have to choose one of the model. Donc ça veut dire que c'est pas le mot d'appartement. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, voyons voir s'il y a un souci. Ah, c'est ça, c'est ici, c'est la rue et c'est le numéro de la rue. Ici, c'est la rue, donc la rue, je vais mettre par exemple. Voilà, c'est le cas-ci et l'appartement 4. Voilà, je crois que c'est bon maintenant. Donc, je vais voir. Vous devez choisir l'un des modèles de temps ci-dessus. Voyons voir où l'erreur, le temps, l'un des modèles de temps. Ok, je bosse en plein temps. Ok. Avez-vous un diplôme d'études secondaires? Ça, c'est oui. Voilà. Ça, c'est oui. Ok. Donc, je peux soumettre maintenant. Modèle temporaire obligatoire. Ah, modèle temporaire obligatoire, ouais. Ok. Donc, je crois que c'était là.
C'était déjà sur 36 mois, voilà. Pour ceux qui viennent faire la licence, c'est 36 mois. Maintenant, pour ceux qui viennent faire le master, ça sera 24 mois, voilà. Donc, pour ceux qui viennent faire le master, par exemple, ils vont devoir choisir 24 mois. Mais pour la licence, c'est 36 mois. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, on peut soumettre. Je crois bien. Voilà. Donc, vous attendez que votre admission soit reconnue. Voilà. Et puis, après cela, vous allez compléter quelques documents. Et puis, envoyer à admission@, je crois, uubh.de. Donc, je vais mettre le lien en commentaire. Comme ça, vous allez pouvoir leur envoyer votre admission ou bien vos dossiers pour pouvoir postuler à cette bourse. Voilà. Donc pour le moment, nous attendons. Un peu comment ça fonctionne. Voilà. Excusez-moi pour le soleil. Voilà, c'est actuellement on est presque à l'été. Bon, on est même à l'été, donc le soleil est un peu soit ici en Russie, soit il fait très froid ou bien il fait très chaud. Donc c'est comme ça. Donc comme je vous l'avais dit, vous avez vu comment est-ce que j'ai rempli. Voilà. Donc, une fois que vous soumettez, maintenant vous allez compléter quelques dossiers, c'est-à-dire votre lettre de motivation, votre diplôme, votre dernier diplôme et votre lettre de recommandation et aussi le relevé. Vous mettez ensemble tout ça dans un même fichier, sur un seul fichier et vous envoyez à admission@iubh.de. Voilà, et c'est tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Une fois que vous avez envoyé vos dossiers, y compris ce que vous avez déjà fait en ligne, ils vont examiner ces éléments-là, voilà, et puis ils vont essayer de vous contacter, par email ou bien par Skype. Ils vont vous dire comment faire, voilà, sûrement ils vont vous dire comment faire, donc ne vous inquiétez pas pour ça, c'est pas un souci avec eux. Donc, c'était un peu ça. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent rien, ils ne voient rien, ils ne savent même pas comment faire, ils peuvent toujours nous écrire une box pour qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse essayer de les aider. Voilà, c'était moi de Sam Hospital et essayez de partager mes vidéos. Merci beaucoup et à plus.